Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à GitLab. Dans cette sixième vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser à réaliser notre premier clone de dépôt. Donc, c'est la manière de pouvoir travailler en mode déporté avec Git. Donc, on a jusqu'ici, si on se connecte, notre instance GitLab en local, donc sur lequel je peux m'authentifier tranquillement. Et derrière, on avait créé notre premier dépôt. En l'occurrence, on était resté, je crois, sur le dépôt Spring qui est là. Et donc par défaut, vous voyez que GitLab nous propose des choses, notamment de la clé SSH, etc. On va retrouver également ici la possibilité de cloner avec le petit bouton. Donc ça, c'est valable sur GitLab, sur GitHub également. On le retrouve très classiquement. On va pouvoir cliquer dessus et on voit qu'on a différentes authentifications possibles par SSH ou par HTTP ou HTTPS. Nous, en l'occurrence, là, on est en HTTP. Donc, on va utiliser ce mode, bien sûr, d'authentification pour pouvoir réaliser notre clone. Donc, réaliser la commande qui s'appelle git clone. Et cette commande git clone, vous voyez que finalement, on lui passe ne serait-ce que soit git arrobase et la localisation de notre dépôt ou HTTP ou HTTPS et la localisation de notre dépôt. Grosso modo, les deux choses se ressemblent assez nettement. Si vous voulez plus d'informations par rapport à Git, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à Git. Nous, on va avoir trois modes ensuite. Donc ça, c'est pour le clone. Ensuite, pour le clone, on a besoin de s'authentifier pour vérifier les droits. Est-ce qu'on a accès à ce dépôt, juste en lecture, en écriture, etc. Donc on a trois types d'authentification possibles avec GitLab principalement. Soit via SSH, soit en HTTPS, ou dans notre cas en HTTP, on va pouvoir s'authentifier, pardon, directement via notre login et notre password. Alors attention, là, problème de sécurité, puisqu'en fait, si on lance la ligne de commande directement, nous on va certainement le faire comme ça, on va garder dans notre historique le password, donc ça c'est à éviter à tout prix. Donc passer par des variables d'environnement et sourcer, donc avoir un fichier finalement bash qui va faire les exports de variables d'environnement, sourcer cet élément-là qui va charger du coup les variables en question, par exemple git user et git password. Et puis derrière, on va pouvoir lancer notre commande de clone. Ou sinon, et toujours avec ce même principe de sourcer les éléments pour ne pas stocker les informations dans la ligne de commande, on va pouvoir passer le nom d'un token ou le nom d'un user et le token qui est associé. Donc on va voir ça ensemble, ça va être très rapide. Donc première chose, premier cas de figure, donc nous, on va se mettre, voilà, on est dans notre démo GitLab, on n'a rien du tout. Ce qu'on veut, c'est cloner notre dépôt. Donc si on part comme ceci, on a deux options. On va commencer par le mode SSH. Donc si je fais un git clone, je dirais assez bêtement de cette manière-ci, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, alors première chose déjà, il me dit que mon fingerprint doit être nettoyé, on n'est pas à jour. Et donc là, il va nous proposer, voilà, de nous authentifier et de vérifier certains éléments. Qu'est-ce qui va se passer? Il va nous dire, écoute, moi ce que je veux, c'est un password. Sauf que là, en l'occurrence, nous, on est en SSH et le but, c'est pas de passer par un password. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer notre clé publique. Donc on va aller la chercher tout simplement. Donc on va dans notre point .ssh et on va aller dans notre idrsa.pub. Je vous invite à aller voir la playlist dédiée à SSH également, si vous voulez plus d'informations par rapport à tout ça. Et on va ajouter notre clé SSH. Alors de base, vous voyez que aux premières connexions, GitLab nous permet de renseigner directement la clé SSH ici. Nous, on va pas le faire comme ça parce que ça va être un petit peu plus quoi. On va dire c'est dans le cas où on se connecte la première fois. Moi, je préfère plutôt vous montrer l'autre méthode. Donc, on va cliquer sur Edit. Alors, on peut cliquer sur Edit Profile par exemple. Et on va se retrouver ici dans la colonne de gauche avec les différentes informations pour configurer notre profil. Ça, on l'a déjà vu. Et on va cliquer sur SSH Keys. Vous voyez qu'on peut fonctionner aussi avec des clés GPG. Et on va coller notre clé SSH ici. Alors, important, ça paraît ridicule au début, mais le titre de la clé, c'est quelque chose qui est très important parce que au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, vous allez rentrer des clés et vous allez plus savoir laquelle est laquelle. Et du coup, vous allez plus savoir quelle clé privée associer à cette clé. S'il y a une date d'expiration, ça va engendrer le fait que vous allez possiblement recréer une clé, etc. Donc, c'est pas forcément terrible. Donc là, le mieux, bon, voilà, c'est de mettre quelque chose qui est un peu parlant, XAVKEY, et puis éventuellement, si vous aviez un laptop en particulier, vous mettez le laptop qui permet de l'identifier. On peut donner
une durée de validité de la clé SSH, c'est pas forcément nécessaire. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre quelque chose comme voilà, comme ceci. Et on va rajouter du coup la clé. On clique sur Add Key et vous voyez que la clé a été rajoutée. Donc là, désormais, si j'ai ma clé d'embarquer, donc si je fais un SSH add, là, si j'ai bien ma clé d'embarquer, moi c'est mon cas de figure, hop, voilà, j'ai bien ma clé qui est embarquée. Donc j'ai ma clé privée qui est chargée. Et donc là, en l'occurrence, si je refais un git clone, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, forcément, il me pose les mêmes questions. Néanmoins, vous voyez, derrière, j'ai bien eu mon clone qui a été réalisé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je retrouve désormais, vous voyez, le répertoire Spring qui correspond à mon dépôt en question. Si je vais dans Spring, vous voyez qu'ici, alors moi, j'ai un prompt qui s'adapte à Git, donc le Git prompt, et qui permet de récupérer notamment la version de la branche. Donc je sais que je suis dans un dépôt. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je fais un ls-la, ici je vais retrouver le point git qui correspond au fait que voilà, j'ai toute une architecture, toute cette architecture est suivie par git et versionnée par git. Et si je me rends dans point git, on va retrouver hop, ici différentes informations, notamment la config. Et dans cette config, si on regarde, dans la config de notre dépôt en local, ici, on va retrouver la manière dont on a été authentifié. Vous voyez ici, on voit qu'on est en git arrobas, qui signifie qu'on utilise la clé SSH et la localisation ensuite de notre dépôt en question. Donc voilà, quelque chose qui est assez, assez trivial, assez sommaire. Derrière, donc nous, on va resupprimer notre dépôt. Donc là, bien sûr, on est en local, hein, donc on n'a rien de particulier. Alors, je vous montrerai, mais voilà, on peut... Hop là, si je me... Hop, voilà, on va aller ici. Ici, on peut retrouver l'historique. Donc, on verra ça plus tard, mais je vous invite plutôt à aller voir la playlist dédiée à Git. L'historique avec les différents commits de notre dépôt en question. Donc, gfun, c'est un alias, hein, cherchez pas. Et donc, du coup, derrière, on va recliner notre Spring pour pouvoir faire un autre mode d'authentification qui va être le mode en user password. Donc là, par exemple, si on se connecte, on a deux méthodes. On va faire un git, hop là, on va se mettre en mode HTTPS. Donc on va aller rechercher, on va retourner sur notre dépôt ici. Yes, voilà. Comme je passe pas par la connexion SSH, par du HTTP, bien sûr, là, il va pas directement cloner l'élément comme ceci. Voilà, là, il va me proposer l'authentification. Donc là, je pourrais taper XavKey, le password en question qui va avec, donc comme ceci. Et là, bien sûr, il va cloner. Donc là, je retrouve toujours mon Spring qui est là. On peut également le faire autrement, comme je vous disais, donc par la ligne de commande directement. Alors là, c'est à proscrire, hein. C'est de cette manière-ci. On met deux points. Alors, hop là, on est pas situé au bon endroit. Donc on se met juste avant le dépôt en question et après le slash slash. Et ici, on va taper notre password. Donc ça, c'est à proscrire complètement, hein, cette manière-ci d'afficher les éléments. Là, il faut plutôt des variables, comme je vous disais, des variables d'environnement. Il faut surtout même des variables d'environnement. Vous voyez, là, ça a fonctionné. Mais là, c'est vraiment à proscrire complètement, puisqu'en fait, si on regarde notre historique, on va pouvoir remonter, quelqu'un remonte, et voilà, on trouve tout de suite les passwords, les tokens, etc. Donc là, ce qu'il faut, c'est éditer un fichier. Hop. Donc vous mettez un fichier par exemple .env, quelque chose comme ceci. Il y a plutôt quoi, il y a des bonnes pratiques, hein, dans ce domaine là on va pas les voir aujourd'hui. Et là vous allez exporter, par exemple ici vous allez pouvoir mettre git underscore user égal, et puis là vous allez mettre XavKey par exemple. Vous allez pouvoir mettre également, donc là on va commencer par un bin bash comme ceci, et puis ensuite on va mettre export git password par exemple égal, et là on va mettre 1 2 3 4 5 6, 7 8, ouais, je crois que c'est ça, password sans erreur. Et donc là, ce fichier là par contre, attention, du coup il contient vos passwords, etc. Donc là vous gérez bien les droits. Donc par exemple vous mettez les droits à 600, ce genre de choses, et
Du coup, pour le lancer, vous faites un source 2.env. Alors là, ça va pas marcher parce que si, ça doit marcher. Et si je fais un env pour vérifier le chargement des... Voilà, donc je retrouve bien, du coup, dans mes variables d'environnement git user, ce qui fait que derrière, je peux utiliser directement ici... Bon, finalement, on va l'avoir fait, git underscore user, ici, on va mettre $, hop, git underscore password. Donc, surtout important par contre de gérer les droits du fichier également. Donc vous voyez, ça a fonctionné et c'est beaucoup plus propre puisque désormais dans mon historique je ne me trimballe pas avec ce password etc. qui traîne. C'est encore plus important quand vous allez être par exemple sur des outils de déploiement comme Jenkins ou autre. Ensuite, donc on va supprimer cet élément là aussi. Il y a la possibilité d'utiliser un token plutôt que d'utiliser un password, et ça c'est important. À deux endroits possibles, on peut définir des tokens dans GitLab, donc très important. Premier cas de figure, plutôt que d'avoir d'utiliser notre password perso, on va aller éditer notre profil ici et on va pouvoir générer un access token ici. Donc là on va mettre démo. Démo 6 par exemple, une date d'expiration plutôt, et derrière voilà l'accès, le token, on va pouvoir gérer les accès possibles. Donc nous par exemple, ce qu'on veut, si par exemple on veut juste lire le dépôt, on peut faire un read repository ou un write si nécessaire. Donc on peut créer le token de cette manière-ci. Là on a un token qui a été généré, attention vous allez le voir qu'une seule fois, c'est celui-ci, vous le copiez et vous le mettez en sécurité quelque part, c'est-à-dire dans votre gestionnaire de secrets, etc. Et de la même manière, alors là je ne vais pas vous refaire tout dans le détail, mais de la même manière, plutôt que d'utiliser le password ici, on va utiliser directement le token de cette manière-ci. Et là on va pouvoir cloner. Ou sinon, donc là on est dans la gestion d'un user. Le problème c'est que si on prend des tokens qui sont gérés par les users, si les gens quittent la société, etc., on veut supprimer leur compte, on supprime les tokens, vous voyez que ça pose quand même de sérieux problèmes. Donc sinon, au niveau de chacun des projets, vous allez pouvoir également définir des tokens. Donc vous allez dans les settings, et on va pouvoir définir ici, dans Access Tokens, un token, on va mettre projet token, par exemple. Et on va pouvoir également définir dans read-write, ici, comment je vais appeler, projet token, je crois que c'est ça. Et donc là, de la même manière, on va pouvoir mettre ici, hop, token, donc là, c'est le nom du finalement du user, en quelque sorte, et le token, c'est vraiment le truc le plus important, et on retrouve du coup notre Spring qui est importé ici. Voilà, donc, très important de bien voir ensuite le scope et le périmètre qui va vous intéresser, soit avec un périmètre plutôt horizontal puisque ça va être le user, mais du coup en cas de gestion des users, de sortie, de drop des users, etc., on va perdre des éléments. Et puis sinon, dans les projets, ce qui est vraiment recommandé plutôt, mais plutôt avec cette fois-ci un angle vertical. Bien sûr, ensuite quand on travaille, généralement on utilise donc on va avoir l'aspect token qui va être souvent utilisé dans des pipelines, des CI/CD, ce genre de choses, et puis on va avoir plutôt de la connexion SSH qui va être utilisée dans le cadre d'une connexion ponctuelle, quand on fait quoi ponctuelle, via un laptop pour du travail régulier, mais en mode dev où on va pousser des choses régulièrement, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt.